en tant que présidente de la Fabrique de la paroisse de Saint-Hilaire, ça me fait plaisir de répondre à la demande du patrimoine Hilaire-Montais pour parler un tout petit peu de l'Église. Je ne suis pas historienne moi-même, donc je me suis inspirée plusieurs fois du livre de M. Cardinal. La requête de fondation, de création de la paroisse remonte en 1694. Elle avait été demandée à l'évêché de Québec, parce qu'à ce moment-là, il y avait personne du côté de Montréal. Ça l'a pris quand même un certain temps à avoir un accusé de réception ou un intérêt de la part de Mgr Hubert, qui, à un certain moment donné, ont accepté de donner la chance de fonder la paroisse. Alors, ça l'a permis, à ce moment-là, de bâtir ce qu'on appelle le presbytère chapelle, qui est au lieu de, au même endroit que le présent presbytère, qui était un lieu de 50 par 36. Cet endroit-là a servi, n'avait que des desservants. Il n'y avait jamais de prêtre assumé en permanence, ce qui faisait que les paroissiens de Saint-Hilaire avaient la messe, la grand-messe, une fois par mois. Les autres fois, c'était des basses messes. Et s'il y avait d'autres besoins religieux, ben les paroissiens devaient aller à Belœil, qui était déjà constitué des jeunes paroisses. Les premiers marguilliers ont été nommés en 1799. Là, il y a eu des marguilliers qui ont été nommés. Et ça l'a permis aussi d'ouvrir les registres. Parce qu'avant 1799, il n'y avait pas de registre de la paroisse. C'était important que les registres viennent parce qu'il y avait quand même eu plusieurs funérailles, plusieurs décès. Il y avait aussi des baptêmes, puis il y avait eu quelques mariages. Alors, en 1800, là, la population de Saint-Hilaire disait, nous, on va avoir un curé en permanence. Donc là, ils ont demandé un curé. Et dans ça, il y avait le sieur Joseph-René Hertel de Rouville, qui, lui, tenait beaucoup à avoir une église et puis un prêtre en permanence pour pouvoir dire qu'il y aurait lui aussi son église le long de la rivière Richelieu. Mais là, il s'est fait jouer un tour parce que au moment où il a demandé ça, les gens de Saint-Jean-Baptiste, qui étaient déjà assez nombreux, qui étaient Laurent des Hurons, entre autres, se sont dépêchés de faire une répartition et ils ont été chercher l'argent qu'ils avaient besoin et se sont bâtis, dans l'espace de 2 ans, ils ont bâti leur propre église, leur propre lieu de culte. Et il y a, à ce moment-là, tout un problème, bien, pas un problème, mais une réalité, c'est que nous, dans Saint-Hilaire, on avait quand même des concessions, différentes concessions. Il y en a une qui est la concession des étangs, puis le chemin de la montagne, les habitants considéraient que c'était beaucoup plus pratique d'aller aux offices religieux du côté de Saint-Jean-Baptiste que du côté de Saint-Hilaire, parce que la distance était d'abord moins grande. Deuxièmement, il n'y avait pas de route non plus, il n'y avait pas de chemin qui faisait l'union entre ces deux lieux-là. Alors, les gens des étangs allaient constamment au service du côté de Saint-Jean-Baptiste. Et le prêtre de Saint-Jean-Baptiste les accueillait aussi d'une façon assez cordiale. Mais ça, pour le sieur de Rouville, ça compliquait l'existence parce qu'il ne restait plus assez de personnes, de paroissiens, de propriétaires dans la paroisse de Saint-Hilaire pour faire vivre un curé. Parce qu'une des conditions que mettait toujours l'évêché, c'était que les paroissiens soient capables de faire vivre leur curé. Et étant amputé d'un rein complet, puis du chemin de la montagne, à partir de ce moment-là, le Monseigneur ne voulait plus envoyer de curé, ne voulait plus assumer de curé. On sait que le sieur de Rouville était un personnage fort en couleur, puis il était vindicatif. Alors là, lui, il revendiquait, puis il voulait l'avoir, absolument. Il était plus ou moins, je pense, poli. Il y a des fois où il était même un peu acerbe. Et on était au temps où l'Église n'acceptait pas d'être contrariée, que ses jugements ou que ses décisions
soit prise en partie par des laïcs, mais que c'était eux qui la prenaient, la décision. Alors donc, c'était le teint à l'orage entre le sieur de Rouville et le monseigneur de Québec, qui était le monseigneur Lartigue. Il y avait un autre problème aussi que la paroisse qui empêchait les évêques ou le monseigneur, c'est-à-dire le sieur de Rouville, d'être capable d'aller chercher une répartition parce que les limites de la paroisse n'étaient pas définies. Donc, tant que la paroisse n'est pas reconnue comme étant un lieu civil en bonne et due forme, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de loi qui peut régir la possibilité d'aller chercher des fonds chez les citoyens qui habitent ça. Alors, la paroisse, les limites de la paroisse ont été données en 1827. Alors, donc là, la paroisse a été constituée, ce qui a permis à ce moment-là de nommer des syndics. Il y avait un syndic par lieu, la paroisse avait été comme partagée par différents, comme les rangs, chaque rang avait un syndic assigné. Et le village avait aussi ses syndics qui étaient assignés, qui permettaient à ce moment-là d'aller chercher des contributions des gens. Et ces contributions-là avaient été établies selon la superficie du terrain, où il y avait des normes qui avaient été définies pour essayer d'être le plus équitable possible. Là, ils ont frappé un nœud parce que les gens les vergers considéraient, les pomiculteurs considéraient que leur répartition était injuste, qu'ils demandaient beaucoup trop parce qu'en superficie, il y avait quand même assez de superficie. Puis on considérait qu'un verger, c'était payant, donc ils ont considéré que non, il était trop. Donc, les gens n'ont pas voulu payer, n'ont pas voulu donner de sous. Et c'était difficile, c'était vraiment d'une fois à l'autre. Et il y avait toujours nos habitants du rang des étangs qui représentaient des demandes officielles à l'évêché pour être détachés puis s'en aller du côté de Saint-Jean-Baptiste. Et l'évêque était condescendant, il leur permettait un an de plus, ce qui mettait les gens de Saint-Hilaire n'étaient pas très heureux de voir qu'ils ne pouvaient jamais compter sur les revenus de ces gens-là. Alors, mais il reste que d'une fois à l'autre, on est rendu en 1830, et là, ils se décident de commencer à bâtir l'église. Ça n'a pas été facile là, non plus, parce qu'il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de contremaître. C'était un peu tout le monde qui s'est engagé à faire des corvées, à venir travailler des heures, donner des heures dans la construction. Il manquait de compétences. Les gens s'étaient engagés à fournir du bois, des forêts, à fournir de la roche, de la montagne. Et ça arrivait un peu n'importe où, un peu n'importe comment. Alors, c'était vraiment un pigrat à plus finir. C'était pire que la tour de Babel. Donc, le Seigneur, encore une fois, a dit, ça n'a pas de bon sens, ça ne marche pas, cette affaire-là. Il faut absolument qu'on ait un curé. Si on avait un curé qui pourrait assigner à ce moment-là, savoir un peu comment est-ce que ça marche, puis comment est-ce qu'on peut diriger les travaux, ce serait mieux, puis qu'on aille chercher un contremaître et tout ce qu'il en était. Celui qui a eu la responsabilité de bâtir l'église, finalement, c'était Augustin Leblanc, qui était de Saint-Grégoire. Puis c'est un jeune homme, puis il n'avait pas d'expérience, il avait 30 ans. Il n'avait pas d'expérience, lui, pour bâtir les églises. Il était menuisier, mais c'était la première fois. On était la première église qui a bâti. Et en plus, il y avait, je pense, trois autres chantiers en même temps, dans trois places différentes. Donc, il emmenait large, lui. Le Monseigneur a dit non, il n'y a pas encore le temps de vous donner un curé parce que vous n'êtes pas assez avancé. Il faut que vous alliez plus loin. Mais là, tout le monde était bloqué. Il n'y avait plus rien qui marchait. Et d'autant plus que les fondations avaient été mal faites, avec du mauvais mortier. Le comble de l'église, il est en train de la construire. Il y a sept fermes qui sont parties de l'église et qui sont tombées dans la cave. Là, tout le monde était découragé. Le Seigneur ne voulait plus rien savoir. Les syndics ne voulaient plus rien savoir. Il n'y avait rien, absolument rien qui marchait. Puis c'était décourageant aussi, franchement, là, dans une situation comme ça. Alors là, ils ont dit...
Il faut absolument qu'il se passe de quoi. Donc, là, Monseigneur, devant ces conditions-là, a dit, bien, coudonc, il y avait quand même un esprit de bonne foi. Ils ont fait quand même un premier travail. On va leur donner. On va leur envoyer un prêtre. Et le curé qui est venu, c'était Jacques Audelin. Alors, monsieur le curé Jacques Audelin était à la lecture, moi, je pense, un saint homme. C'était un homme extraordinaire. Un homme qui est un bon administrateur, un homme qui savait aller chercher, convaincre les gens, aller réveiller leur piété, leur foi, aller chercher les fonds qu'ils avaient besoin. C'est un homme qui était très, très donné pour l'Église qui était en construction et il tenait à ce que l'Église lève de ses fondations. Par contre, il y avait de la difficulté parce que, encore une fois, on donnait peu. La dîme n'était pas respectée. Alors, on donnait peu au curé et le curé ne pouvait pas, avait de la difficulté à vivre. Mais il s'en est jamais plaint. Il n'a jamais rien dit à l'évêque. Lui, il a pris son sort. Et il devait s'héberger au presbytère Chapelle qui était juste à côté. Le presbytère Chapelle était dans un état de... Il était délabré. Il l'avait négligé, il était rendu dangereux, puis il était utilisé de moins en moins. Puis bon. Alors donc, il a dû se bâtir sa propre maison. Il s'est bâti une maison, puis il est allé vivre dedans. Donc, il a été 10 ans curé à Saint-Hilaire, mais une chance qu'on l'a eu parce qu'on n'aurait jamais eu l'Église que nous avons actuellement. Maintenant, il faut dire aussi que l'Église n'a pas de plan. Donc, ils sont partis avec l'idée de bâtir une église avec 2 clochers, avec une voûte, la voûte, une voûte de plâtre. Il y avait quand même des idées assez importantes, là, assez intéressantes. Mais en cours de route, il a fallu qu'ils changent leur fusil d'épaule parce qu'on était aussi dans le temps de la crise. Il y avait beaucoup de difficultés sur le plan économique. Il faut dire que les gens payaient difficilement, mais les gens avaient peu d'argent aussi pour le faire. Donc là, ils ont décidé de modifier leur façade. Donc la façade qui est partie avec 60 pieds de haut pour faire 2 clochers, à un moment donné, ils ont arrêté cela. Puis là, ils ont décidé de finir le toit. Puis ils ont changé la voûte aussi parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire une voûte de plâtre. Ils l'ont fait en bois. Et là, ils ont dit, le fameux clocher, finalement, ça a fini avec un seul clocher. Ce qui fait que ça donne une allure assez, un peu bizarre, assez particulière pour la façade de l'église. Et que ça nous donne comme 2 styles, le style néo-roman, qui est à l'extérieur de l'église, et le style gothique, qui est à l'intérieur de l'église. Mais avec les moyens du bord, finalement, aujourd'hui, on ne s'en plaint pas trop, on la trouve quand même pas si vilaine que ça. Adossée à la montagne, c'est quand même pas laid pantoute. Quand ils ont ouvert l'église en 1837, il n'y avait rien dans l'église. Il y avait peu de bancs, il n'y avait pas de stalles dans le chœur, il n'y avait pas de voûte, pas de confessionnal, pas de jubé. Pas de colonne, pas de balustrade, pas de confessionnal. Il n'y avait à peu près rien. Pas d'hôtel latéraux. Il y avait les autres hôtels, c'est-à-dire le maître hôtel, mais pas les autres. Et ça, c'était un bon bout de temps. Ça a pris du temps avant qu'on soit capable de faire certaines modifications. Parce qu'à peine 30 ans après que l'église était construite, il a fallu qu'il fasse une première réparation. Comme les fondations étaient friables ou étaient plus ou moins solides, il a fallu qu'ils retravaillent ça, il a fallu qu'ils redressent certains éléments du bâtiment. Donc, ça a exigé des sous, c'est venu chercher l'argent et c'était encore pénible que d'être capable d'entretenir ça. Là, on est rendu, disons, en 1844. Le seigneur de Rouville vend sa seigneurie, parce que, bon, là, ça allait mal, et puis... Il l'a vendu, puis c'est le major Campbell qui est venu, qui l'a acheté. Le major Campbell, lui, il avait marié une Québécoise, une fille du coin, qui était Henriette Juchereau-Duchesnay. Cette femme-là, c'était une grande croyante.
le major Campbell n'était pas catholique, n'était pas pratiquant catholique. Mais il avait quand même une fortune intéressante. Et c'est un homme qui s'occupait de ses affaires, qui s'est occupé de sa seigneurie, qui l'a remis en plan. Parce que les bâtiments de la seigneurie avaient été négligés. Tout avait été négligé dans la seigneurie. Donc, lui a travaillé à remonter sa seigneurie. Quand ça s'était fait, puis que c'était assuré que ses bases étaient solides, il a pu profiter aussi de la navigation à vapeur qui, sur la rivière Richelieu, qui emmenait du commerce. Et il en a profité pour lui faire du négoce et être capable d'aller chercher plus de fonds. Et c'est aussi au temps où, en 1848, il y a le chemin de fer. Et le chemin de fer qui vient rejoindre Saint-Hilaire et partout ailleurs, évidemment, c'est un plus parce que ça, ça l'amène une vitalité nouvelle. Ça l'amène plus de gens dans la paroisse de Saint-Hilaire. Ça l'amène plus de gens. Et c'est plus facile de faire le commerce des pommes, le commerce de différentes choses. Alors là, le Campbell, lui, a dit que ce serait important qu'on ait plus de services. Et il y avait déjà dans la montagne le ruisseau qui servait d'apport d'eau important pour être capable d'installer des moulins. Alors là, il y a eu toute une querelle de moulins. Il y a eu cinq ou six moulins qui ont été bâtis. Puis, il y a eu plus de vergers puis plus d'érablières. Donc, tout le monde en étant un peu plus riche, bien, c'était plus facile d'être capable de soutenir leur église. Et Mme Campbell, qui est Mme Duchesne, qui, elle, était aussi, en tout cas, dans son mari la supportait beaucoup, était très proche de l'éducation des filles. Donc, elle a dit, pour moi, c'est important que les filles soient bien formées, bien éduquées. Donc, elle a fait le couvent qui est juste à l'arrière de l'église. Et en même temps, elle supportait, elle disait à son mari d'aider l'église, d'aider la paroisse à continuer de construire l'église et de l'améliorer. Donc là, ils ont eu suffisamment de fonds pour être capables de faire le jubé puisqu'il n'y avait plus assez de bancs en bas. Donc là, ils ont fait le jubé. Le jubé, c'est 22 pieds de long par la largeur de l'église. Ça l'emmenait 46 bancs de plus. Alors ça, c'est intéressant parce que c'était des revenus de plus. Les bancs étaient vendus, donc c'était plus. Puis ils ont bâti aussi le chemin couvert qui reliait la sacristie, l'église, la sacristie et tout le reste. Donc, puis ils ont posé les voûtes, ils ont posé les colonnes, puis ils ont mis des voûtes. La voûte en bois, ils l'ont fini. Alors c'était prospère, là. C'était vraiment intéressant dans ce temps-là. Et le M. Campbell, le major Campbell, avait prêté gratuitement son ébéniste attitré, qui était M. Somerville, qui était, paraît-il, un menuisier très exceptionnel, qui avait bâti, réparé le manoir Rouville-Campbell. Et il y avait aussi, pour faire l'intérieur de l'église, prêté son architecte, qui était M. Lanford. Alors, ce qui fait que ce qu'on voit actuellement, M. Lanford a fait les plans des hôtels, le plan des stalles, de la décoration, les bancs. Alors, c'est des choses qui restent, qui sont encore dans l'église, mais qui sont de la main de M. Lanford. Ensuite, on a eu la chaire qui est arrivée en 1855. La chaire, il n'y a rien de précis, on ne sait pas qui l'a faite, on ne sait pas trop. On pense que c'est M. Pépin, mais il ne l'aurait pas faite en 1855 parce que là, il avait 84 ans. Ou 90 ans, en tout cas, il était âgé. On pense qu'il l'aurait fait probablement avant et qu'il aurait voulu l'installer ailleurs et que finalement, elle n'a pas été installée là. Alors, c'est nous qui en avons profité. L'hôtel qu'on retrouve actuellement dans la sacristie, c'est le premier hôtel qui a été installé dans la chapelle, le presbytère chapelle. C'est l'hôtel qui a servi, sur lequel... Les Oblats Marie Immaculée, qui sont venus chanter la première messe au Canada, ils la chantaient à Saint-Hilaire, puis ils l'ont chantée sur cet hôtel-là. Alors, si on parlait de certaines modifications que notre Église a subies en cours des ans, il y a eu, à l'occasion d'un grand nettoyage au début des années 50, 1950, Il y avait une balustrade qui avait repris, qui était faite de bois et qui avait repris le même style que le chœur, que les autels.
Et cette balustrade-là a été enlevée et remplacée par une balustrade que certaines personnes jugeaient plus « in », qui était une balustrade en fer forgé, mais qui ne respectait plus les origines, le style de l'Église. Donc, ça, c'était un premier changement. Ensuite, dans les années 83, là aussi, il y a eu une seconde fois un nettoyage en profondeur des murs, mais tout ce qui touche, exception, les murs au complet, mais exception des toiles d'Ozias-le-Duc, qui, elles, exigeaient des experts et qui ont été nettoyées beaucoup plus tard. Alors donc, à l'occasion, en 1983, la fabrique, le conseil de fabrique, l'assemblée de fabrique a décidé d'enlever la fameuse balustrade et d'enlever aussi les marches de l'escalier de l'hôtel, c'est-à-dire qui vont au cœur de l'hôtel, qui étaient des marches, des rangs rectilignes, des rangs droites. Quant à avant, c'était des marches qui avaient quand même des courbes, des courbures, trois courbures. Alors c'est évident que ça n'a pas été long que des citoyens, évidemment, la fabrique avait décidé ça sans demander sans faire de consultation. De toute façon, elle avait le droit de le faire, elle pouvait le faire. Alors, ça n'a pas été long qu'il y a des citoyens qui ont dit non, et entre autres la Société d'histoire. De Belleuil-Saint-Hilaire est monté au balustrade. Alors là, il y avait le président à ce moment-là était M. Clerc, Michel Clerc. Alors M. Clerc a soutenu, avait monté un dossier puis une discussion très, très bien étoffée à l'effet qu'on ne devait pas toucher à ces choses-là, que c'était important de les garder telles qu'elles étaient. Et par contre, malgré cette opposition-là, les marches sont demeurées rectilignes. Une des raisons qui avait été nommée, il y avait deux raisons. La première, c'était que la liturgie changeait, c'était plus de la même façon, l'hôtel était face au public. Donc, c'est une question de liturgie, d'un. Et de deux, c'était une question de sécurité. C'était moins dangereux, c'était plus sécuritaire pour accéder au cœur et descendre. C'était les deux arguments. Ça, évidemment, ça l'a amené quand même les gens à demander que l'Église devienne un lieu patrimonial reconnu, ce qu'il fait. Bon, maintenant, si on parlait un peu du cimetière, on sait que le tout premier cimetière était... tout près du presbytère-chapelle, que ce cimetière-là devait être cintré, clôturé, il devait avoir une clôture tout le tour. Et que, bon, il fallait l'entretenir aussi. Alors là, ce qui s'est produit, c'est que c'était plus ou moins entretenu. C'est que il avait fait une clôture de perche qui a tombé. Puis il n'y avait pas les moyens de la réparer. Et quand ils sont arrivés avec la construction de l'église et que les travaux se sont faits un peu pêle-mêle, un peu en désordre, le cimetière a été largement, pas profané, mais franchement peu respecté. Un point tel qu'on pouvait dire que c'était un cimetière tout simplement parce qu'on savait qu'il y avait des corps qui étaient là. Alors là, l'évêché s'en est mêlé. L'évêché a dit, c'est intolérable, c'est inacceptable, c'est irrespectueux. Le cimetière doit être recinturé ou vous devez l'aménager ailleurs. La fabrique a décidé d'acheter un nouveau cimetière le 10 mai 1882. C'était la terre de M. Aimé des Hôtels, puis c'était une superficie de 2 arpents. À partir de ce moment-là, les corps qui étaient enterrés autour, c'est-à-dire dans l'ancien cimetière, ont été inhumés dans le nouveau cimetière. Faut dire que les terrains, à ce moment-là, ont été vendus 10 piastres, avec entretien à perpétuité, et c'est un terrain de 10 pieds par 15 pieds. Alors aujourd'hui, on entretient encore ce terrain-là,
à perpétuité avec un prix d'achat de 10 piastres. Aujourd'hui, on sait que le terrain vaut au moins 350. Et qu'il n'y a plus 10 pieds par 10 pieds, c'est 3 par 2, 3 par 6, c'est-à-dire. Et plus tard, beaucoup plus tard, dans les années, à l'occasion de l'année sainte, en 1950, c'était l'abbé Forêt qui était curé, qui était prêtre, et qui a décidé de clôturer le cimetière avec quand même la clôture qu'on a présentement, en invitant les familles à acheter un poteau. Et on retrouve aussi sur chacun des poteaux le nom de la famille. Ah, c'est très intéressant parce que c'est fixé. On sait exactement des hôtels Boissy, Archambault. On retrouve les noms qui sont là. Ça, c'est en 1950. Et on continue. C'est une belle clôture en fer forgé. Et les pieux sont en pierre taillée. C'est sûr que d'être responsable d'une église patrimoniale, je pense que c'est une responsabilité supplémentaire. Certains vont dire que c'est un embêtement, mais d'un autre côté, c'est une protection, parce que si on n'avait pas ça, ils diraient, plutôt supposons que ça coûterait je ne sais pas comment faire ça, ils diraient, ben on va changer, ça va nous coûter moins cher de changer.